j'étais présidente de la République, je ferais arrêter la guerre. Je créerais des hôpitaux immenses où les soins seraient gratuits. Vive la France! Chers compatriotes, si j'étais présidente de la République, je ferais arrêter la guerre, puisque cela ne se fait pas. Je ferais détruire les bombes nucléaires, et puis les pays seront entourés de leur propre armée pour mieux les protéger. Les guerriers seront logés dans des petites villas, 10 personnes par une villa, et tous les pays s'uniront pour les réfugiés. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Chers compatriotes, petits et grands, si j'étais président de la République, je proposerais l'enseignement d'un sport nouveau chaque jour. Et des professeurs de sport spécialisés viendront donner des exemples aux élèves et la mairie offrirait des tenues de sport aux personnes. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Chers compatriotes, si j'étais présidente de la République, j'organiserais des cours pour enseigner la culture et la langue des autres pays aux élèves qui le souhaitent. Le lundi, ce serait les cultures africaines. Le mardi, les cultures asiatiques. Le mercredi, l'européenne. Le jeudi, les cultures américaines. Le vendredi, les cultures océaniques. Chaque citoyen devrait payer 15€ par mois pour assister à ces cours. Lors de ces cours, il y aurait des écoutes musicales, de la découverte d'auteurs, des sorties au cinéma et au théâtre et des repas au restaurant. Cela s'appellerait le club culturel. Vive la France! Chers compagnateurs, si j'étais président de la République, je mettrais de l'herbe dans les terrains de foot à l'école. Et le sport sera de 14h30 à 16h30 tous les jours. On aurait le droit de jouer avec des ballons en cuir. Et aussi pour les FDF, on leur fait essayer de jouer au foot pour on sait jamais s'ils signent pro et ils deviennent riches. Et c'est tout. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Chers compatriotes, petits et grands, si j'étais présidente de la République, je créerais un espace où les SDF seraient soignés et où on leur donnerait à manger et tout ce dont ils ont besoin. Je créerais des hôpitaux immenses où les soins seraient gratuits uniquement pour les personnes en difficulté financière. Les hôpitaux seraient constitués de chambres avec une cuisine, de salles de bain équipées de toilettes. Dans ces chambres, il y aurait 2 personnes maximum pour éviter la promiscuité, mais créer du lien social. Vive la France! Chères Françaises, chers Français, si j'étais président de la République, je donnerais de l'argent aux pauvres. Cet argent viendrait d'une cagnotte, il y aura 1€ par habitant de la Terre. Je baisserais les prix trop augmentés pour que tout le monde puisse manger. Les autoroutes seront gratuites et les maisons aussi. Merci de m'écouter. Chers compatriotes, si j'étais présidente, je ferais installer des self-service dans toutes les universités, les collèges, les lycées et les écoles pour découvrir des nouvelles cultures pendant toute la semaine. Le lundi, ça sera asiatique, le mardi, mexicain et le vendredi, marocain. Et s'il y a des personnes qui n'aiment pas le plat du jour, il y aura de plus petites quantités un autre plat. Au revoir et merci de m'avoir écouté et bonne journée.